Jésus.
même comprendre le verset là. Toi aussi, tu commences à comprendre ça comme ça. C'est cet esprit-là qui fait ça. C'est lui qui fait que quand tu ouvres, la manière dont Dieu pense et puis l'a dit là, tu commences à voir. C'est cet esprit-là de sagesse et de révélation qui t'introduit dans sa connaissance. C'est cet esprit-là que Paul dit, cet esprit-là a révélé en moi son Fils. Je veux que tu pries avec moi pour demander au Père de te révéler Jésus, la grâce qui t'a été donnée, de te donner un esprit de sagesse et de révélation qui te fait entrer dans la connaissance de Jésus, la grâce de Dieu qui est en toi. La connaissance de Jésus, la connaissance de Jésus, la grâce qui t'a été donnée. Fais cette prière. Bato koboro son tariakaba, ibaro kotomozi nakabo tokoroboso, emente keriano kato labaze, lebrondo su katalaba dila kato, mantabro sekete me kotoro koto, ambala katu katela mazon takibra kota baze, koma shanta barakato masi, ebrentes koto koro maskinda kabro, parakatu da kela mantu kalabade, leto kanakabo koto koro koto, ibratos koto koro makanda labase, mandula katela bazanta, roto kusu nakaba, ibrete kos koto koro bake, Père de grâce et Père de bonté, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Christ qui me fait entrer dans la connaissance de sa personne, dans la connaissance de sa connaissance, dans la connaissance de son intelligence, dans la connaissance de sa sagesse. Donne-moi, Père Saint, un esprit de sagesse et de révélation. Je demande, Papa, l'esprit de sagesse et de révélation, l'esprit de sagesse et de révélation, l'esprit de sagesse et de révélation. Brodakaso take lamando, imantos kabera katu take bakota kalabe, lozabrados ke pratu kate parado mandula kate kabolo koto kozi radika sunta kebronto soto ibalantos kati brado kate labo barakatuma zente kebronto so radi basoto brikoto make mandila kato rapakato bake kolamanto ibabolo koto jalamanta ria sonte ibro koto pare sokete mankondos ki parakate ibronto soko toro make. Faut demander un esprit de sagesse et de révélation, que Dieu te donne un esprit de sagesse et de révélation, un esprit de sagesse et de révélation, un esprit de sagesse et de révélation. Père de grâce et de bonté, communique-moi un esprit de sagesse. Donne à mon esprit un esprit de sagesse. Donne à mon esprit un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, ô Dieu. Relâche en moi, Papa, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, Père, dans la connaissance de Christ, dans la connaissance de Jésus-Christ, le mystère de Dieu, ton Fils éternel, Père. Révèle en moi ton Fils, révèle en moi ton Fils, révèle en moi ton Fils, révèle en moi Jésus le Christ profondément, Père, afin que je l'annonçasse, afin que je parle de lui, afin que je marche en lui, afin que je vive en lui, afin que je relationne avec lui. Révèle en moi ton Fils. Manto kino koso parakate, lebrotoko sokoromake, imanto sokoromake, que la révélation de Jésus en moi dépasse toute autre révélation, que la révélation de Jésus-Christ en moi dépasse toute autre révélation. Père de grâce et de bonté, donne-moi la profondeur de la révélation de Jésus. Donne-moi la profondeur de la révélation de Jésus, l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance au Dieu, dans sa connaissance au Dieu, dans sa connaissance au Dieu, dans sa connaissance au Dieu. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance au Dieu, et par l'esprit de sagesse et de révélation. Oui, Seigneur, selon le verset 18, illumine les yeux de mon cœur. Par l'esprit de sagesse et de révélation, illumine les yeux de mon cœur, illumine les yeux de mon cœur, illumine les yeux de mon cœur. Mon frère, ma soeur, faut prier que l'esprit de sagesse et de révélation en toi illumine les yeux de ton cœur. Mambo do koro koto maka, ibre koto mosonta rikato, remando koso koro make, imantala kato rianakabo. Tu es sous le régime de la faveur divine. La faveur divine et la sagesse de Dieu marchent ensemble. C'est pourquoi prie pour l'esprit de faveur, l'esprit de sagesse, l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse et de révélation, l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Manto kalabase rebaro kotomo sinakabo ibata kaladora kate mandulu kutukuma katalabo ibre kotomo sonto riane kato ibakutukuna kabaraso reboto korokoto ebrente sunta kelabarado shalabara kotamaze mento riane kato labazi rado sakenta bota kelamanto korokoto mazi karoma nekete
Que l'esprit de sagesse et de révélation nous introduise dans la connaissance de Dieu. Que par l'esprit de sagesse et de révélation, Seigneur, que nos cœurs soient illuminés. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions, Seigneur. Pour que nous sachions, Seigneur. Pour que nous ayons la connaissance profonde, la connaissance parfaite, la connaissance exacte, la connaissance de révélation, la connaissance réelle, la connaissance au Dieu, oui, expérimentale, la connaissance du vécu. Donne-moi, Éternel Père, un esprit de sagesse et de révélation. Je demande mon Père un esprit de sagesse et de révélation. Donne-moi un esprit ô Dieu, qui est l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance ô Dieu, dans la connaissance de Christ Jésus, la grâce de Dieu en moi, dans la connaissance de Jésus Christ, la grâce de Dieu en moi, pour ô Dieu opérer dans sa connaissance, pour connaître sa connaissance, pour connaître son intelligence, pour connaître sa sagesse en moi. Pour voir, Seigneur Dieu, ce que toi seul tu vois, pour comprendre ce que tu comprends, pour savoir ce que tu sais. Illumine les yeux de mon cœur. Au nom de Jésus, tu as prié, j'ai prié. Dis Amen. Écoute-moi, mais l'esprit de sagesse et de révélation là, tu as demandé. Est-ce que tu crois que Dieu t'a donné? Est-ce que tu crois que Dieu t'a donné? Ah, Dieu dit quiconque demande reçoit. Si toi tu as prié que tu ne crois pas que tu as reçu, il faut croire maintenant que tu as reçu. Il dit pendant que tu pries, crois que tu as reçu. Ça dit crois qu'on t'a donné. Tu as reçu, non? Maintenant tu as reçu, mais est-ce que tu sais comment ce que tu as reçu là on active? Comment on le provoque pour qu'il se manifeste? Tu as reçu l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. L'esprit de sagesse et de révélation va te faire entrer dans sa connaissance. Premièrement, ça va te faire connaître Dieu. Mais premièrement, ça va te faire connaître ce que Dieu connaît. Savoir ce que Dieu sait. Comprendre ce que Dieu comprend. Ça va te donner le savoir-faire de Dieu. Cela veut dire que quand tu es dans une situation, cet esprit-là va s'activer pour te permettre de savoir qu'est-ce que Dieu même allait faire s'il était là devant toi. C'est l'esprit que je comprends comme ça. Elle disait, quand tu dois prendre une décision, l'esprit de sagesse et de révélation te fait rentrer dans la décision de Dieu lui-même. C'est-à-dire que ce que Dieu même allait faire prendre comme décision s'il était là, l'esprit de sagesse et de révélation te fait savoir ça. Pour que tu décides comme Dieu aurait décidé s'il était là. Vous jouez à cet esprit-là. Ok. Tu t'amuses à cet esprit-là. Là. L'esprit de sagesse et de révélation te donne de rentrer dans ça. C'est ce qui aide le pasteur. Un pasteur, quand les gens viennent pour poser des situations et prendre des conseils, l'esprit de sagesse et de révélation te donne de lui dire ce que Dieu lui aurait dit, si Dieu même lui parlait directement. Alors maintenant, tu es en train de dire Amen. Voilà. Quand vous ne comprenez pas, là, vos Amen là, sont dans votre cœur. Et quand tu comprends, oh, Amen. Tu vois que tu as besoin de ça. L'esprit de sagesse va faire que si tu t'en vas au marché payer des articles, l'esprit de sagesse va te conduire à payer des bons articles. Pour ne pas payer ce qui est gâté. L'esprit de sagesse fait comme ça. C'est lui qui fait ça. Il te dit non, il faut prendre ça là. C'est comme si Dieu même, si lui-même il allait au marché, voilà ce qu'il allait acheter. L'esprit de sagesse fait ça. Tu vois que ce n'est pas un petit esprit. Hein.
C'est un petit esprit. C'est l'esprit de sagesse et de révélation qui fait que quand le pasteur vient prêcher, le message que Dieu même veut donner à son église là, le pasteur sait quel est le message là. Et puis il prêche ça. C'est l'esprit ça qui fait que quand tu vas en évangélisation, pendant que tu es en train de prêcher à quelqu'un, Dieu te dit, il faut dire telle chose. Il te montre ce que tu dois dire pour que la personne soit touchée. Ah bon. Souvent, il va te dire quelque chose de simple. Tu dis ça, toi tu crois que ce n'est pas vrai. Et puis, ça touche. C'est l'esprit de Saïe qui a dit que quand Jésus voulait évangéliser la prostituée, là, quand elle est venue, Jésus lui a dit, donne-moi un peu d'eau à boire. C'est fini comme ça, la conversation est partie. Elle dit, comment toi tu es juif, tu demandes de l'eau à boire à une samaritaine? Tu ne sais pas que toi et nous, nous ne parle pas ensemble. Tu ne sais pas que nous deux, on ne parle pas. Jésus lui dit, si tu sais qui te demande à boire, quel est le don de Dieu? Et qui est la personne qui te demande à boire? Toi-même, tu vas laisser ton eau là. Tu vas lui dire, lui, il n'a qu'à te donner de l'eau à boire. Elle dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Tu vas prendre l'eau là-haut. C'est l'esprit de Saïe qui est en train de travailler en Jésus comme ça. Il dit, le Seigneur lui dit, l'eau que moi je te donnerai là, si tu bois de cette eau, tu reviendras encore boire. Mais l'eau que moi je vais te donner là, elle deviendra en toi une source d'eau vive. La femme comprenait. Parce que quand nous on dit eau vive, là on ne comprend pas. C'est-à-dire, Jésus lui dit, je vais te donner une eau qui détient Zoé, le genre de vie que Dieu a à l'intérieur. L'eau que je vais te donner là détient Zoé. La femme comprenait ce que Jésus voulait dire. Ce n'est pas n'importe quelle vie. C'était une eau qui ne va pas juste étancher ton corps, qui va étancher ton cœur, ton esprit. Et la femme voulait rentrer dans des débats. Mais vous, si vous voyez, c'est l'esprit de sagesse qui a conduit Jésus dans l'évangile. Les évangélistes, les témoins, ils ont besoin de l'esprit de sagesse et de révélation. Et l'esprit de sagesse là, écoute-moi, un moment, il te donne ce que tu dois dire. Mais un moment, l'esprit de sagesse va commencer à activer quelque chose de supérieur. Il va commencer à activer quelque chose d'autre qu'on appelle les dons spirituels, les dons des révélations. C'est l'esprit de sagesse, un moment, qui a montré à Jésus que la femme, là, elle est prostituée. Elle a eu 5 hommes qui ne sont pas son mari et qu'actuellement, elle vit dans la prostitution. Et il lui a dit, par la parole de connaissance, c'est l'esprit de sagesse qui te donne parole de connaissance. C'est lui qui fait ça. Qui fait que tu es en train de parler à quelqu'un jusqu'à un moment, tu vois telle chose sur la vie de la personne. Tu comprends maintenant? Je sais que quand il a dit prions pour cet esprit-là encore, là, tu vas prier plus que tu as prié. C'est l'esprit de Saïe qui fait que quand tu rentres dans une maison, souvent, tu dors, Dieu te fait voir ce qui se passe dans la maison. Ou bien tu ne dors pas, Dieu te fait voir ça. Mais je vais te montrer la première manière par laquelle cet esprit-là, dans notre vie, il faut le provoquer pour qu'il se manifeste. Tu as déjà reçu ça. Mais il faut que tu le provoques pour qu'il se manifeste. Amen. Dans Deutéronome 34, verset 9. Deutéronome 34, verset 9. Il dit quoi? Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de quoi? Faut regarder. On dit Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Donc par l'imposition des mains, quelqu'un qui a l'esprit de sagesse peut communiquer cet esprit-là sur toi. Ça se fait. Parce que si tu lis dans la chose, on dit que Moïse était rempli de l'esprit de sagesse. Alors, il a appelé Josué son fils spirituel et puis il a posé les mains sur Josué. Quand il a posé les mains sur Josué, il a impacté, il a fait un transfert. Il a communiqué l'esprit de sagesse qui opère en lui là, dans Josué. C'est pourquoi l'imposition des mains est une loi spirituelle de transfert. Transfert de grâce qui est dans quelqu'un, dans une autre personne. L'apôtre Paul a dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Tu peux le faire en parlant aux gens, en priant. Tu peux le faire en imposant les mains. Amen. C'est pourquoi, par exemple, Jésus dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi? Parce que tu as reçu la grâce de la guérison.
Le nom de Jésus que tu as est le nom de guérison. Tu imposes la main et tu transfères cette grâce de guérison qui est dans le nom de Jésus, dans le corps de la personne. En réalité, même le mot imposer les mains signifie passer sur. Imposer les mains signifie dans le hébreu passer sur quelqu'un. Amen. C'est quand tu veux transférer ton argent de ta banque dans la banque de quelqu'un d'autre. Tu fais quoi? Tu lances le code et il y a le transfert qui est fait. Si tu as transféré 100 000 francs, les 100 000 francs là ont quitté chez toi pour aller chez l'autre. Transférer, c'est comme ça. Amen. Donc, on peut communiquer. Dans le spirituel, on communique les grâces. La femme qui avait la perte de sang, elle a touché Jésus et la puissance qui est chez Jésus a été transférée, partie chez elle. Le monde spirituel est un monde de transfert. Tu comprends ça? Ce n'est pas transfert, money, wave, quoi. Ce n'est pas ça. C'est plus que ça, ce que je te dis. Là-bas, là, c'est 0%. Pour nous, la main, c'est grave. C'est 0% par la foi. Amen. Mais ce que je veux te montrer, c'est quoi? Donc, quand Jésus a posé, c'est pourquoi souvent, un homme de Dieu pose la main sur les gens qui sont autour de toi. Pose la main sur eux. Pose la main. Tu peux libérer la parole, tu peux poser la main. Je dis ça pour que quand on pose, souvent on pose la main sur les gens, eux-mêmes ils ne comprennent pas l'importance de main qu'on pose. Poser la main, ce n'est pas un rituel. Poser la main, c'est une loi spirituelle. Regarde, on dit Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui. On n'a même pas dit sa main. Il a pris ses deux mains là, il dit envoie ta tête. Il a posé ça sur lui. Jésus même a dit, vous imposerez les mains aux malades. Il n'a pas dit la main, les mains. Pose tes deux mains. Donne. Il n'a pas dit qu'imposer les mains, ça ne marche pas. Ça marche. Donc, on dit parce que Moïse a fait chose et imposé les mains sur lui. Maintenant, regarde, ce Josué, sur qui on a imposé les mains. Je vais terminer à prier. Hein. Ce Josué, sur qui on a imposé les mains. L'esprit de sagesse l'a rempli. Mais est-ce que l'esprit de sagesse là va s'activer? Comment il va activer? Allons-y dans Josué 1. Josué 1, je vais te montrer comment l'esprit de sagesse que tu as reçu, comment il faut le provoquer pour qu'il se manifeste. Je vais te montrer juste peut-être une ou deux manières de provoquer l'esprit de sagesse. Tu veux combien? Une ou bien deux? Deux. Je sais que tu n'as pas choisi un. Lisons Josué 1, verset 8, mon frère. Tu dois connaître où je m'en vais. Josué 1. Regardez, Dieu dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès, oui, dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La dernière partie là, quand tu lis, il dit c'est alors que tu auras du succès que tu dans tes entreprises, que c'est alors que tu réussiras. La version originale traduit ça en disant c'est alors que tu agiras avec sagesse dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Jésus est rempli de l'esprit de sagesse. Mais comment il va provoquer? Dieu va lui donner une méthode pour provoquer l'esprit de sagesse qu'il a rempli. C'est à travers la méditation de la parole. La méditation de la parole provoque l'esprit de sagesse qui est en vous là, à vous introduire dans la connaissance de Dieu. C'est pourquoi quand vous ne lisez pas, vous ne méditez pas la Bible, vous ne provoquez que pas votre esprit de sagesse. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont là comme ça, et puis l'esprit de sagesse brrr, va commencer à faire tac, 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 et puis non, on le provoque. Il y a des clés pour provoquer. L'esprit de sagesse est déjà en toi. Mais dès que tu ouvres la Bible, tu provoques l'esprit de sagesse à te donner la révélation dans la connaissance de Christ. Tu comprends maintenant? Hein? Quand tu médites la parole, l'esprit de sagesse est déjà en toi. Tu le provoques à se manifester. C'est comme une cuisinière. Une cuisinière, tu la mets au salon. Elle est dans la chambre. Elle est au salon. Elle ne va rien faire. Mais une personne, une femme ou bien un homme qui sait cuisiner, tu le mets dans la cuisine où il y a tous les ingrédients. Il y a tomate, il y a la viande, il y a le poisson, il y a tout, 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 tout. Dès qu'il voit ça là, tu le provoques à vouloir faire un repas. C'est la même chose. L'esprit de sagesse est déjà en vous.
Lui, il est là pour vous donner la révélation dans sa connaissance. Mais quand tu l'amènes dans la cuisine de la parole, où tous les ingrédients de la parole sont là, il commence à s'activer. Il dit, ah, tu m'as envoyé dans la parole, je vais t'enseigner quelque chose. Je vais te révéler ça, je vais te révéler ça. Ou bien, c'est comme ça, tu vas voir un bon cuisinier, quand il rentre dans une cuisine où il y a tout, il voit des possibilités de repas. Il voit qu'il peut faire tel repas avec tel ingrédient, tel repas, tel repas, tel repas. Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi les chrétiens qui n'aiment pas lire leur Bible, méditer la parole, ils n'activent pas, ils ne provoquent pas l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance qui est en eux. Et ils vont penser que Dieu enseigne les autres, mais Dieu ne l'enseigne pas. Non, la différence entre deux personnes qui connaissent Dieu par la parole, c'est que l'autre, il lit, il y a un qui ne lit pas, l'autre, il lit, il médite les Écritures. Donc Dieu dit à Josué, si tu médites, tu agiras avec sagesse parce que l'esprit de sagesse et de révélation va te transférer la sagesse. Il va activer la sagesse. Amen. Donc tu vas prier, dis à Dieu, je ne veux pas m'amuser avec la méditation de la parole. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Il ne faut pas mettre une distance entre la parole de Dieu et votre vie spirituelle. Éloigner veut dire quoi? Créer une distance. Dieu dit à Josué, ne mets pas de distance dans ta vie spirituelle entre ma parole et ta vie chrétienne. Si tu crées, écoutez, il y a des chrétiens, quand je te parle là, il y a une distance entre ta vie chrétienne et la parole. Si ce n'est pas le dimanche seulement que tu viens écouter, tu viens et tu écoutes la parole, dans la semaine, tu ne lis pas la parole. Et autre chose, ce que je suis en train de dire là, je ne parle pas de visiter YouTube tout moment et d'écouter tous les messages de tous les hommes de Dieu sur YouTube. Je ne parle pas de ça. Ça là, c'est bon, mais ça ne te fera pas grandir dans ton esprit de sagesse et de révélation. Il ne faut pas prendre les voies que Dieu n'a pas établies. Dieu a dit à Josué, médite ça jour et nuit. Ce que je te dis là, avant d'aller écouter les gens, je te parle de ce qui est personnel pour toi. Toi-même, assieds-toi. Ouvre ta bonne vieille Bible là et maintenant lis et médite. En lisant et en méditant, tu provoques ton propre esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Maintenant, quand tu as l'occasion d'écouter des hommes de Dieu que tu connais sur YouTube, ça t'aide encore à enrichir et souvent à éclairer et souvent à confirmer ce que Dieu t'a enseigné. Ce que je veux vous dire, c'est que Dieu a organisé le christianisme là en sorte que ce soit un contact personnel entre Dieu et ses propres enfants. Ce n'est pas un contact intermédiaire. Les hommes de Dieu ne sont pas votre intermédiaire entre Dieu et vous et la Bible pour vous révéler la Bible. Nous ne sommes pas votre intermédiaire. Vous devez aller directement rencontrer la parole. On n'est pas, personne n'est médiateur. Même Jésus. Jésus n'est pas ton médiateur entre Dieu, ton Père et toi. Je dis, Jésus lui-même là, il n'est pas médiateur entre Dieu et toi. Jésus a dit quoi? Jésus a dit aux disciples que le temps vient, je ne parlerai plus au Père pour vous. Vous-même, vous pouvez lui parler directement. C'est-à-dire que Jésus va s'éclipser pour que toi, tu ailles directement. Un homme de Dieu a le droit, il doit s'éclipser pour dire à vos chrétiens, lisez la parole. Il y a des chrétiens quand ils cherchent des versets, ah, pasteur, il y a un verset, il y a des versets qu'ils cherchent là, ou bien, il faut me montrer. Ou bien quand ils veulent, pasteur, telle situation là, est-ce que tu peux me donner des versets pour que je prie? Je ne te donnerai pas, ne m'appelle jamais pour que je te donne des versets pour que tu pries. Hein. Je ne ferai plus ça. Il y a des choses qu'on a fait dans le passé, on ne fera plus. Hein. Je te préviens. Si tu veux prier pour une situation, ne m'appelle pas, demander des versets. Je ne suis pas ta concordance. Va prendre ta Bible, il faut lire. C'est quoi ça? Lisez votre Bible. Lis ta Bible. Donc le pasteur lui a dit là, toi tu ne veux rien pas lire, lui va s'asseoir, donne-moi des versets. C'est quelle génération? Vous voulez rendre vos pasteurs esclaves de vous et les pasteurs suivent rendre les chrétiens esclaves d'eux. C'est quelle génération ça? Lis ta Bible. Écoute-moi, tu as te repenti. Il y a une distance entre ta vie chrétienne et la parole. Il y a une distance entre ton ministère. Il y a des hommes de leur ministère. Il y a une distance entre la parole de Dieu et leur ministère. Il a dit à Josué, ce livre de la loi que tu vois là, ça ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Ça veut dire que tu dois lire ça. Pourquoi? Parce que dans le temps, il ne parle pas ici forcément de parler la parole. Il ne parle pas de parler. Il parle de lire. Parce que dans le temps, quand les gens lisent, ils lisent. En classe, on nous disait quoi? Il faut lire à haute intelligence voix. Que chacun lise pour lui-même. Ça veut dire que tu parles, tu lis ça. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche.
médite-le jour et nuit. Tu es seul pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Parce que ce que tu dis et que tu entends crée la foi. Ce même principe-là, quand tu lis Paul, si tu... Hey Seigneur, la Bible est comme ça, tu vois. Ça, c'est l'esprit de sagesse des révélations. Il ouvre les pages là. Regarde, ce même principe-là. Parce que le problème, quand vous lisez la Bible, tu es seul, il faut doucement, il faut murmurer ça doucement. À moins que peut-être tu es dans un cas ou bien chose. Mais sinon, tu apprends à lire ça doucement. Tu prends le verset que ce livre de la loi. Lis ça. En lisant, pourquoi il faut lire ça dans une voix douce mais intelligente? Il faut entendre. Parce qu'en le faisant un peu, le fait que tu entends là, ça provoque en toi la foi. Ce même principe-là, Paul l'a dit concernant la foi. Il a dit dans Romains 10, il dit, la parole est près de toi. Cette parole qui est près de toi dans la Bible, il dit, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Il dit, la parole qui est près de toi, que tu mets dans ta bouche là, c'est ça qui fait que ça rentre dans ton cœur. C'est-à-dire, quand tu ne parles pas la parole dans ta bouche, tu ne lis pas pour entendre, c'est une force pour introduire la parole dans ton cœur. Il dit, quand tu fais ça, il dit, c'est la parole de la foi. La parole que tu lis, qui est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, là, c'est la parole de la foi. Ça veut dire qu'en lisant comme ça, donc Dieu était en train de dire à Josué, lis ça, lis la parole, et puis ensuite, médite dessus. Et quand tu as lu la parole, là, tu as dit ça, tu as pris ta bouche, tu as lu, toi-même tu entends. Maintenant, reste calme, médite. Ce que tu as lu là, reste calme, médite. Médite d'abord en réfléchissant. La méditation commence d'abord en pensant sur la parole. Deuxièmement, murmure ça. Troisièmement, proclame ça. Et ça, il dit, agis jour et nuit. Il dit, si tu fais ça, Josué, tu vas voir ce qui va se passer. L'esprit de sagesse va s'activer en toi. Et tu vas voir que tu pourras agir avec sagesse dans tes entreprises. Amen. En tous les cas, si Dieu fait grâce ce soir, on se verra. Donc tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, deuxième chose, pour qu'on puisse prier pour ça, deuxième chose, pour activer l'esprit de sagesse, c'est dans 1 Corinthiens 14. Pour activer l'esprit de sagesse, c'est quand tu pries beaucoup en langue. Quand tu pries en langue, tu provoques l'esprit de sagesse à s'exprimer dans ta vie. Prier beaucoup en langue, parce que celui qui prie en langue, la Bible dit que c'est en esprit qui dit quoi? Des mystères. C'est-à-dire qu'il dit des secrets à Dieu. Or, quand il est en train de prier, il dit des secrets. Un moment, l'esprit de sagesse s'active pour lui révéler la connaissance des secrets qu'il est en train de dire. Amen. Donc tu vas prier pour que le Seigneur te donne, à travers la méditation de la parole et la prière en langue, d'activer l'esprit de sagesse qui est en toi. Tout cela, vous avez prié là, vous avez l'esprit de sagesse déjà en vous. Mais ce n'est pas activé. Il faut le provoquer à l'œuvre, à l'action. Fais cette prière. Dis au Seigneur que la méditation de la parole, pendant que je médite la parole de Dieu, fais-moi grandir dans l'esprit de sagesse et de révélation. Pendant que je prie en langue, fais-moi grandir dans l'esprit de sagesse et de révélation. Prie maintenant au nom de Jésus. Mando broso koto makanda. Imando skuta kalabasora. Toka barakate. Lego brakata mazinto. Broto kosunda. Mandila kota masinta. Kora masi. Ebrente kota kalabadila kota malaso. Mandula kateriando kaburu kutumazi. Ibando skuta kabarakatu mazi katu. Karumasi keteke mekoto koro koto. Ebarakuta kana kora bashinda. Mandula katera bakunda kabaso. Reto kondo koskita kabarakatu mazi. Badia kota kalamandia sunta. Remando skutu kundu kuru kutuku makati. Abarakatu na kilabakatu la katabu. Jalamanto rinte keskoto kobro koto mazi. Mandila katu la katela maso. Sabroto kosku na kabarakatu. Latu anekatu la katu makalamadi. Mantu kanaka. Barakatuna kilabatu, latuane kete kerebo sonto rite kete baraku, kranos kotoko brinda skuta kilabu, mantu kale katula katela bazu, rento sukata kalabadulu kutuku maki, mandila katula katala mazunta kilamakatu, radiba kutukunu kurusu bakarakatura katimakati, mantu anakatula katala bazi, ratikanu katila bakunta kilabakatu, shalamanto riakatua katua makatua meskotorokutu, zimbra de katukala maskoto kurukutu, mantu kade kebri. Ketemesko da karabu ratika nokotokoro koskunta kabarakati mantaria tukana kabu le rosaka tuma kintokoskotoko bakarade shali barakatu kalamasi mantukate kabroko
Tomosko, Ranto Sokoto Makina Kura Kate, Lantuana Katala Bakura Mashi, Bradu Kate Kiremoskunta Karabatu, Ratikene Koskoto Koborokoto, Mandi Katula Kita Karamasuta, Ebatu Kandekete Keborokoto, Radi Bakuta Kalamantoria Nakabo, Shalabara Kotomoskunta Kabaradi, Betoria Takaboro Katimasi, Sarunta Kita Kalabadulu Kutumaki, Mande Brokoto Koskopa Karadi, Matiando Kaskita Kalabasu, Ebre kete me kete rekotoro koto jalamanta kara katora katarabado rebente sokoto koro koto koro maki libra takara koto koro kosonto korobo prade kete kere kete kere kotoro koto lawa kata kara madiato karabade mendu kata kabro koto mozundu du bakate karoma de kete kete kere beke korama se kete mandula katalabawi mantiato kalabadulu koto kumaki karo sete pepe pere katorabade mandi bro koto mosokoro koto rebe kete kere koto koro koto Yantuka nekete kebo koto koro koto Mandi antuka laba koro koto Mentuka lakabara katuta ke laba kato Zande broto koro koto koro koto Radiba koto koro koto koro maki Mantakaria sonte kebre kete moso Jalabara katu zaba katu koto koro koso Perato kanesko takalabato Ota kalamaskonte kebre kete meso Lunti kina karabasko tekereboko Père céleste notre Dieu Fais-nous grandir dans l'esprit de sagesse et de révélation Par la méditation de ta parole au Dieu, par la prière en langue, en esprit, fais-nous grandir dans l'esprit de sagesse et de révélation, dans ta connaissance, notre Dieu. Bragunda keskato labakate, mandulu kutukuru makanta labawe, lotu anakabazu atakalabadu, rebadu kutukuru kusupa karakate, prendo sokotoro kutoro kutu, mandila kato labasun takalabawe, radikatu kate kebro kutumusu, bregodas kita kalabos kante labatu, radikatu kaleba katoro kutu, ibrandos kutukuru kutoro kutu, jalamantaria tu kate Kebrekete mezo, mentu kaskete kebrekete mezo, radiko tokoro koskuta kabraka tomuzi, prando soto toto riki tekete kebakoto koto koro koto, mantu atekete kerekoto, leba wakatala katura kate, manta kabara katuma kita rakato, zaliano kaskote kebrekete mezo, prendo skoto koro koskunta kabraka tomuzi, manti kete 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 barakato, shalamana kato, rate kete kene kesko, lebo koto koro kosunta karabada, ibranto skoto koro koto, shalabara katumaske, rentos koto koro baskanta koto maske mantu kate kebrekete koramana kaskoto koro koto Père fais nous grandir ô Dieu dans l'esprit de sagesse et de révélation oui pendant que Seigneur nous méditons la parole de Dieu et que nous prions en esprit que l'esprit de sagesse et de révélation soit activé dans nos cœurs soit provoqué manifeste dans nos cœurs kebroskanta labake par la méditation de ta parole par la prière en esprit Seigneur ô Dieu tout puissant que l'esprit de sagesse et de révélation soit libéré, activé dans nos cœurs, manifeste en nous, ô Dieu, fais-nous grandir profondément dans l'esprit de sagesse et de révélation, dans ta connaissance, ô Dieu, manto kalabason te brikato, kaborakate, zadu kalamase, mentu katalabasori manakate, Ebrekete mesko, rakenos kota kabarakate, lotu kanakabarakato masé, ibrantos koto koromake, radi kato malakatarianos kate, rento sokotoromake, barakatu nakelabasunta, ibrantos sokotoromake, barakatu azekete kemakarabo, ebrantos sonto rina ketabo, latu kaneke brekete meso, mandula katalabasori nakabo, ebrantos sokotoromakena, manta baria katamashena, béni sois-tu Seigneur, au nom de Jésus. On va lire 1 Corinthiens 2, verset 12 et prier pour ce dernier passage-là. Il dit, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Amen. Il dit, « Il y a des choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Tu te rends compte? On est toujours sous le régime de la faveur de la grâce. Mais il y a des choses que Dieu t'a données par sa grâce. Mais tu ne peux pas les connaître juste comme ça. Il dit le moyen de les connaître, c'est quoi? Il dit, Dieu nous a donné son esprit, l'esprit qui vient de Dieu. Dans quel but? Afin que toi et moi nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le Saint-Esprit qui active l'esprit de sagesse et de révélation en nous, dans la grâce de Dieu. C'est pourquoi? C'est pour nous donner, nous révéler plutôt, nous faire connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Écoutez-moi. Pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à prendre possession de leur héritage en Jésus-Christ?
c'est parce qu'ils ne connaissent pas les choses que Dieu leur a données par sa grâce. Je ne parle pas d'information. Ils n'ont pas la révélation des choses que Dieu leur a données par sa grâce. Il dit, mais tu as reçu l'esprit qui vient de Dieu, pas l'esprit qui vient du monde. Comme tu as reçu l'esprit qui vient de Dieu, tu vas connaître les choses que Dieu t'a données par sa grâce. Pourquoi? Si tu ne connais pas les choses que Dieu t'a données par sa grâce, tu continueras à demander que Dieu te les donne. C'est pourquoi beaucoup de prières restent non exaucées et les gens ne voient rien. Parce qu'ils continuent à demander à Dieu des choses que Dieu leur a déjà données. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Si tu connais ce que Dieu t'a déjà donné, tu ne demandes plus à Dieu de te donner. Vous voyez qu'il y a beaucoup de prières. Si on connaissait les choses que Dieu nous a données, on ne va plus les prier. Par exemple, Dieu nous a déjà donné la délivrance. Mais les gens continuent à demander à Dieu de les délivrer. Il t'a déjà donné, tu ne sais pas que Dieu t'a déjà donné la délivrance. Dieu m'a déjà donné la délivrance. Je ne demande pas à Dieu de me délivrer. Il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de Dieu. Je ne demande pas à Dieu de me délivrer. Je sais ce qui se passe dans ta tête actuellement. Pendant qu'il dit cela, je sais ce qui se passe dans ta tête. Tu as dit, mais les gens qui ont des démons, on chasse là. Ça, c'est chasser des démons, ce n'est pas délivrance. Un chrétien là, il n'y a pas d'un chrétien. Toi, tu es déjà délivré. Le chrétien est déjà délivré. Un païen, même si tu chasses le démon de sa vie, le démon est parti, mais il n'est pas encore délivré. Parce qu'il est toujours dans le royaume de Satan. Non, il n'y a pas de délivrance. Le chrétien, Dieu t'a déjà donné ça. En Christ, tu es déjà délivré. Tout chrétien, vous tous m'écoutez là, vous êtes déjà délivré. Tu as dit, mais pasteur, quand je vois des esprits qui viennent dans mon sommeil m'attaquer, ça, tu ne parles pas de délivrance, tu parles d'attaque satanique, d'oppression et d'influence satanique. Ici, tu n'as pas besoin de délivrance. Ici, tu as besoin de chasser cet esprit et d'exercer ton autorité sur eux. Ce n'est pas délivrance. Ici, c'est ton autorité que tu exerces. Ce n'est pas délivrance. Tu exerces ton autorité pour ordonner à cet esprit d'arrêter ses œuvres et ses manœuvres contre toi. Mais tu le fais à partir d'où? Tu le fais à partir de quelqu'un qui est délivré du pouvoir de Satan et qui est dans le royaume de Dieu. C'est à partir de ça que tu dis à cet esprit-là, arrête tes œuvres. Hein? C'est ça la Bible. Ou bien, c'est pourquoi vous n'allez pas voir que dans les épîtres de Paul, des gens, tout ça, vous ne voyez pas ces systèmes de délivrance qu'on a mis en place qui épuisent les gens. C'est le délivré. Je veux dire que c'est celui qui est délivré et qui est transporté dans le royaume de Dieu qui peut exercer autorité sur Satan. C'est pourquoi je te dis une chose. Quand un païen a besoin de délivrance, il ne peut pas se délivrer parce qu'il ne connaît pas le nom Jésus. C'est pourquoi le païen vient vers nous et puis tu pries, tu chasses le démon. Mais quand tu as chassé le démon, tu as arrêté les opérations du démon dans sa vie. Mais le gars est toujours dans le royaume de Satan, là-bas. C'est lorsqu'il accepte Jésus qu'il est délivré de ce royaume et il vient dans un autre royaume où lui aussi maintenant, il connaît le nom Jésus et il a l'autorité pour parler contre les démons. Tu comprends? Tu comprends? Un chrétien peut faire des rêves bizarres parce que souvent, tu peux être attaqué. Le monde occupe peut t'attaquer. Mais ça n'est pas dit que tu n'es pas délivré. Tu es vraiment délivré. Et maintenant, c'est comme tu es délivré et tu es transporté. N'oubliez pas, si vous parlez de délivrance, ne parlez pas de délivrance seul. Parlez aussi de transporter. Parce que le même verset, on t'a dit tu es délivré, on t'a dit tu es transporté. Parce que si tu restes sur le mot délivré seulement, tu as coupé la phrase. On dit il nous a délivré et il nous a transporté. Donc, le travail est terminé lorsqu'on t'a transporté. Tu as changé de territoire. Donc, c'est quelqu'un qui a changé de territoire qui parle maintenant aux gens
du territoire d'avant. Tu es en besoin, il raconte des hérésies. Ce n'est pas grave. Ce que tu dis là, c'est réel dans ma vie. Moi, je ne suis pas livré à Satan. Je suis délivré et transporté dans un nouveau royaume. À partir de là, moi aussi maintenant, j'ai autorité sur l'ancien type là. Amen. Mais ça, par exemple, c'est une chose que Dieu t'a donné dans sa grâce que tu dois connaître. C'est une des choses que Dieu t'a donné dans sa grâce que tu dois connaître. J'ai pris Dieu un jour, on va prier ça en dévotion, ou bien je vais te révéler les choses que Dieu t'a donné dans sa grâce. Tu n'as plus besoin de prier. Par exemple, la Bible dit qu'une autre chose que Dieu t'a donnée, c'est que c'est la réconciliation. Il dit que nous avons reçu la réconciliation. Dieu nous a déjà réconciliés avec Christ. Tu n'as plus besoin d'aller te réconcilier avec Dieu. C'est une grâce qu'on t'a donnée. Tu es déjà réconcilié avec Dieu. Confesser les péchés n'est pas la réconciliation. Cela veut dire qu'il n'y a plus de palabre entre Dieu et toi. Réconciliation, là, c'est ça. Mais maintenant, il n'y a plus de palabre. Mais tu vas faire quand tu fais des erreurs, confesse tes erreurs. Sinon, il n'y a pas de réconciliation. On ne se réconcilie plus avec Dieu. On est déjà réconcilié avec Dieu. Alors, si chaque fois, écoute-moi, si chaque fois toi tu viens te réconcilier avec Dieu, tu es en train de dire à Dieu, tu es rancunier. Comme tu es rancunier, chaque fois il vient me réconcilier. Dieu est rancunier. Le grand Dieu, il est rancunier. On est réconcilié. C'est parce qu'on est réconcilié qu'on peut s'approcher et parler à Dieu. Qu'on peut prier librement. Amen. C'est ça. Une autre chose que Dieu nous a donnée par sa grâce, c'est la vie Zoé, la justice de Dieu. On a la nature de Dieu. Ça, là, Dieu nous a donné. Mais tu n'as pas la révélation de ce que Dieu t'a donné. C'est pourquoi tu fais des prières qui sont comme des bombes à retardement. Seigneur, fais de moi ton juste. Seigneur, fais de moi ton juste. Toi-même, tu as dit, il n'y a aucun juste. Tu as pris une portion de la vie. Quand il a dit, il n'y a aucun juste là, il a donné maintenant qu'on est devenu juste. Il n'y a aucun juste. Il n'y a aucun juste. Ce verset-là, il a dit aux gens dans l'Ancien Testament. Mais en Christ, il a dit, nous sommes des justes. Tu es injuste. Tu continues à dire, Seigneur, fais de moi injuste. Vraiment, je veux être juste. Ça, c'est quelle prière, ça? Tu ignores ce que Dieu t'a donné par sa grâce. Seigneur, vraiment, fais de moi un saint. Je veux être saint. Il dit, arrête ça, ferme ta bouche. Tu es déjà saint. Tu n'as plus besoin de demander ça. Tu es saint. La seule chose qu'on te dit maintenant, on dit, tu es saint, vis dans la sanctification. Qu'est-ce que Dieu m'a donné encore par sa grâce? Il m'a donné son esprit. Saint-Esprit. Oh, viens, Saint-Esprit, viens. Il dit, je ne viens pas. Je suis déjà là. Dieu t'a déjà donné le Saint-Esprit par grâce. Mais pourquoi tu n'acceptes pas ce qui t'est donné par grâce et tu veux qu'on te donne par tes efforts? C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de prières qui font traîner notre vie spirituelle. Il ne faut pas me dire, tu allais lire ça dans un livre qu'on dit de prier comme ça. Je m'en fous. Je te lis la Bible. Je n'ai pas de la Bible. Ça là, c'est puissant que n'importe quel livre. C'est pourquoi il dit de prier pour que le Saint-Esprit te révèle ce que Dieu t'a donné par sa grâce. Tu vois, non, si tu as une révélation de ça, tu ne vas plus t'embêter. Tu vas faire quoi? Rendre grâce pour ce qu'on t'a déjà donné. Amen. Amen. Alors fais cette dernière prière et remercie le Seigneur. Excellent Père de grâce et de bonté, je prie ce matin afin que Père, par ton esprit en moi, révèle-moi profondément et davantage les choses que tu m'as données par ta grâce. Père, par ta grâce, tu m'as donné beaucoup de choses. Tu m'as donné tout pleinement. Tu m'as tout donné. Donne-moi la révélation. Donne-moi d'être profond. Donne-moi de voir clairement les choses que tu m'as données par ta grâce. Donne à ma sœur, donne à mon frère de voir profondément les choses que tu lui as données, les choses que tu m'as données, à chacun d'entre nous de voir ce que tu nous as donné par ta grâce. Seigneur, nous prions et nous demandons de nous révéler les choses que tu nous as données par ta grâce, afin que, Seigneur, nous puissions rendre grâce pour cela, nous puissions te dire merci, nous puissions exercer notre foi, non pas pour les avoir, mais pour vivre la manifestation, nous puissions les proclamer sur notre vie, nous puissions prendre position et saisir notre héritage. Saisis notre héritage, saisis notre héritage, saisis notre héritage, goûtez notre héritage, mangez notre héritage, consommez notre héritage, ce que tu nous as donné par grâce. Excellent Père, ce matin nous prions au nom de Jésus, afin que Papa Dieu, tu nous accordes cette grâce-là,
de voir, de saisir, de connaître par l'esprit, de percevoir la révélation des choses que tu nous as données par ta grâce. Ce que tu nous as donné par ta grâce. Ce que tu nous as donné par ta grâce. Bakonda solabaka. Mentoria nekadu sabarandose. Otobroketi makalabo. Jibrado sondo brikatose. Mentu katalabawe. Lotoroto kobokoto maki. Ingonda brate kozida. Eporo sende bredo sukate. Mandulu kutuma katemawe. Mantalabadora kate. Merci de nous avoir donné le Saint-Esprit, l'Esprit qui vient de Dieu et non l'Esprit du monde. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu et non l'Esprit qui vient du monde, afin que nous connaissions. Glorieux Saint-Esprit, tu es celui qui nous fait connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Sois béni d'ouvrir notre esprit. Lorsque nous lisons la parole, donne-nous la révélation. Donne-nous de saisir ce qui nous a été donné par sa grâce, qui est notre héritage, afin que nous puissions en prendre possession, vivre cela, expérimenter cela, goûter cela dans notre vie, par la foi et dans la foi. Au nom de Jésus, merci Seigneur Père. Alléluia. Merci Seigneur. Rends grâce à Dieu de tout ton cœur. Bénis le Seigneur. Il est merveilleux, il est bon. Rends-lui grâce. Excellent Père, merci ce matin pour la prière, pour la parole de Dieu, pour Seigneur, ô Dieu, l'adoration, pour Seigneur, tout ce que nous avons prié, pour l'exaucement de toutes nos prières. Tu nous as entendus et tu nous as exaucés. Manifeste-toi dans nos cœurs, manifeste-toi dans nos vies, manifeste-toi dans nos esprits, âme et corps. Fais-nous du bien ce matin. Merci Seigneur notre Dieu pour ta bonté encore dans cette journée, tes compassions dans ce jour, ta fidélité dans cette journée. Remplis nos cœurs, fais-nous du bien et que toute la gloire et l'honneur soient à toi seul par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, merci Papa, merci pour la couverture du sang de l'agneau, l'aspersion du sang. Nous proclamons que le sang de Christ est sur nous, le sang de Jésus nous asperge, le sang de Jésus est notre couverture, le sang de Jésus est notre couverture, le sang de Jésus est notre couverture. Sois béni, loué, exalté par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, on a prié. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses, et tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses, et tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es plein d'amour. Tes œuvres sont pleines d'amour et tout ce que tu fais, Seigneur, est plein d'amour. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses et tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses et tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es glorieux, tes œuvres sont glorieuses, et tout ce que tu fais.